Plutôt calme les affaires ces temps-ci. C'est pas tellement étonnant. Avec tous ces travaux, ça devrait déjà être fini depuis 2 semaines, mais ça dure et les clients n'ont pas de place pour se garer. Tout va s'arranger puisque vous êtes là. Oui, on imagine sans aucune difficulté vos clients venant pour le plaisir d'admirer une vieille dame de mon âge. Qui a un certain charme. C'est la seule ville américaine qui ait une clientèle cosmopolite. Moi, un peu comme Vienne. Excusez-moi. Alors, il me semble qu'on néglige les habitués. Oh, Jack, c'est vrai, je suis désolée. J'étais dans la lune, excusez-moi, mon Dieu. Pourvu que... Oui. J'ai encore un petit bouquet de violettes. Non, pas aujourd'hui. Je vous en fais cadeau. Merci. Je vous trouve triste ce soir. Triste ou alors mélancolique. C'est le mot, Jack, mélancolique. Mélancolique comme quelqu'un qui viendrait d'accompagner un ami à son dernier voyage. Mais laissons cela, je crois que cette jeune fille s'impatiente. Avez-vous besoin d'argent? Vous êtes gentil, merci. Mais si j'avais besoin d'argent, je pourrais m'en procurer. Soyez simplement là demain soir, ainsi que tous les autres soirs. Thank you.
Alors et vous, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Webster? Rien, commissaire, je dis que c'est moche. Et drôlement habile. Du travail de professionnel. Aucune trace sur le toit, pas de cartouche vide, et la porte donnant sur le toit a été ouverte par un expert. Qui aurait pu vouloir tuer quelqu'un d'aussi inoffensif que Sylvia Werner? Ne cherchez pas qui voulait tuer cette femme, mais plutôt qui voulait vous tuer, vous. Allons, Hoffman, vous savez bien que ça n'a aucun rapport. Vous croyez? Eh bien, l'avenir le dira. Je ne sais pas encore comment vous êtes mêlé à cette affaire, mais cela ne saurait tarder. Ridicule. La vérité est que cette fois, votre adversaire est plus doué que vous. Ou que vous avez cherché à le doubler. C'est classique. La seule chose qui est différente et surtout moins reluisante est que vous avez en plus la mort de Sylvia Werner sur la conscience. Hoffman, je vous dis que ce n'est pas moi qu'on visait. Vous savez comme moi que les tueurs se trompent rarement de clients. Ils se trompent comme tout le monde. Sylvia Werner se trouvait sur le chemin de cette erreur. Qu'est-ce que vous faites ici, Caldwell? Je vous cherchais et j'ai pensé que c'était le seul endroit où vous trouvez. Vous avez vu Hoffman? Oui, et je partage entièrement son opinion. Enfin, raisonnez, Caldwell. Si un tueur avait voulu me supprimer, il ne se serait pas privé du plaisir de m'envoyer à la morgue. Vous avez eu de la chance. J'étais là, debout, tout près d'elle. Quelle cible faut-il donc à un bon tireur? Jack, vous avez beaucoup d'ennemis. Essayez plutôt de suivre mon raisonnement. Cela m'aidera un peu à y voir clair. Jack, écoutez, j'ai pris le temps de tout regarder en détail. Sylvia Werner a vécu dans cet appartement pendant 12 ans. Et alors? Alors regardez, pas d'objet personnel, pas de photographie, aucune trace dans sa vie du moindre contact humain. Cela ne vous semble pas bizarre? Peut-être, mais je vous arrête tout de suite. La police a obtenu des renseignements sur Sylvia Werner dont la présence, si gênante qu'elle soit, ne nécessitait pas l'intervention d'un tueur professionnel. Il aurait suffi d'avoir de la patience. Où voulez-vous en venir? Le rapport du médecin légiste est formel. Sylvia Werner était atteinte d'une maladie incurable. Elle n'avait plus que quelques mois à vivre. Ses ennemis n'en savaient peut-être rien. Oui, mais elle le savait. À quoi pensez-vous? Je pense à elle. Elle avait l'air si triste. Elle a dit une phrase à propos de quelqu'un qui ferait son dernier voyage. C'était une vieille dame très attachante. Elle avait votre amitié. Mais croyez-moi, c'est de vous qu'il faut vous préoccuper parce que j'ai bien peur que le tueur ne tarde pas à se manifester. Sylvia. Mademoiselle. Oui. Jack Webster. Puis-je savoir pourquoi vous êtes ici? Parce que je connaissais un peu Madame Werner. Excusez-moi, je suis pressée. Ah, alors sans doute allez-vous pouvoir me dire. Non, si je ne peux rien vous dire du tout, je regrette. Dites-moi au moins votre nom. N'insistez pas. J'ai horreur de l'indiscrétion.
Hoffman. Je vous ai donné le signalement de l'homme, la marque de sa voiture, le détail du pare-brise qu'il a dû changer. Je pense que ça devrait suffire, non? J'apprécie le souci de coopération que vous avez témoigné. Mais puisque vous semblez si prodigue en renseignements, pourquoi ne pas nous révéler son nom? Et la raison pour laquelle il vous en veut? Parce que je n'en sais rien du tout, et qu'il me sera difficile de vous répondre. Vous aimez les chrysanthèmes? Vous avez le temps, commissaire. Oh non, pas tant que cela, mais en réalité, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Je sais, vous préféreriez que j'aille passer 15 ou 20 ans de ma vie en prison. Vous savez ce qu'on en pense chez moi? On en repart entre quatre planches. Quel que soit le pays, les mots sont identiques. Comme le monde est petit, commissaire. Vous avez eu une veine tout à fait exceptionnelle. Mais je sais que les mailles du filet vont se resserrer. Et qu'un jour, la chance finit toujours par tourner. Monsieur Webster. À la vôtre, commissaire. Vous êtes quand même convaincu que le tueur est sur vos traces? Il a clairement fait part de ses intentions cet après-midi. Mais pourquoi? Très bonne question. Finalement, j'ai eu une journée très chargée. Je suis allé à l'appartement de Sylvia, au cimetière, et j'ai rencontré une charmante personne. Qui était également au cimetière, mais qui a refusé de vous dire son nom et la raison de sa présence. Voyons, je vous dis et je vous répète encore une fois que la mort de Sylvia est un accident qui n'a aucun lien avec quoi que ce soit. Peut-être. Nous verrons ça. J'ai pu réussir à faire relever les empreintes de votre protégé avant la mise en bière. Merci. J'ai immédiatement transmis les résultats à Interpol. Sans succès. Par contre, l'Organisation mondiale de la santé a pu faire une identification. Elle s'appelait de son vrai nom Sylvia Klaus, née en 1912 à Bernberg, en Allemagne. Quoi d'autre? Elle figurait sur les listes de disparus pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais les rapports sont vagues et de plus, Bernberg est en Allemagne de l'Est. Ça va compliquer les choses, mais on peut y arriver. Arriver à quoi? D'abord à savoir pourquoi changer de nom, et puis pour qui travaillait l'homme qui a été payé pour la tuer. Mon vieux, vous avez tort de faire une montagne avec rien du tout. Évidemment. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Je vous dis que vous faites fausse route. Quelqu'un a essayé de vous tuer. Souvenez-vous-en. La police a mon signalement et celui du véhicule. Ça commence à sentir le roussi. Vous n'avez pas terminé le travail. Webster était près d'elle, elle lui a peut-être parlé avant de mourir. Elle n'a pas eu le temps. Le travail était fait au poil. Mes employeurs ne veulent courir aucun risque. Webster est de trop. Vous voulez dire que vous ne voulez pas me filer mon pognon? Non, je n'ai jamais dit cela. Vous téléphonez d'où? D'une cabine tout près de chez vous. À demain, 13h. Et ne me faites pas cavaler après mon fric. C'est ça. À demain. 13h. Bonjour, monsieur. Je regrette, monsieur, mais toute la famille et la plupart des domestiques sont partis pour Paris tout à l'heure. Paris. Merci. Merci, mademoiselle. Le chef du grand empire financier Offenstein, Max Offenstein, que l'on voit ici le jour de son départ pour Paris, il y a de cela 3 semaines, s'était éteint hier dans cette ville qu'il affectionnait tout particulièrement. La fortune de la famille Offenstein était depuis longtemps reconnue comme étant la deuxième du monde après celle des Rothschild. D'après les informations je paierai ce qu'il faudra. Que nous avons pu recueillir, Max Offenstein serait mort à la suite d'une... Je n'ai qu'une parole, et je marche à fond. N'a pas encore été communiquée à la presse.
Je veux savoir le nom du tueur et celui de ceux qui l'ont payé pour cette affaire. Lors de notre dernier bulletin de la soirée. Il y a toujours des fuites, c'est une question de prix. Comme je vous le disais, d'œil partout... Essayez encore. En effet, depuis quelques années, le groupe Offenstein participait pour une part très importante au financement... Ça ne donne rien. Principalement quand j'ai pourtant appelé des types coriaces, des types qui vendraient leur mère si on y mettait le prix. Ainsi, le chef du plus grand producteur d'acier et de munitions n'est plus. Et on avance déjà le nom de son éventuel successeur, M. Paul Viertel. C'est en effet lui qui, après les obsèques, a consenti à recevoir les journalistes et à communiquer le nom de l'héritier de la fortune Offenstein. Mais c'est elle. Il s'agit de Carole Eugénie Offenstein. C'est la fille que j'ai vue à l'enterrement de Sylvia. De cette jeune et jolie jeune à femme, pied, à cheval ou en voiture, il n'y a pas d'erreur, c'est bien elle. À l'empire des Offenstein. Oui? Monsieur Webster? Oui? Vous trouverez l'homme que vous cherchez au numéro 11 de la Goldstrasse. Derrière la gare sud. Victor, ici Rupert Volz. Je voulais vous prévenir. Webster est en route pour votre appartement. Il a payé un indicateur pour l'adresse. Et par quel tour de passe-passe l'indicateur vous a donné ce tuyau? Parce que je l'ai payé plus cher. Je vous dis que Webster sera chez vous d'une minute à l'autre. N'hésitez pas, descendez-le. Et l'affaire sera classée. Je le descendrai. Et de toute façon, l'affaire sera loin d'être classée. Au contraire. Le commissariat de police. On va commettre un crime. Un sûrement. Deux avec de la chance. Au numéro 11 de la Goldstrasse. Oui, c'est exactement ça, au 11. Au revoir. Thank you.
Commissaire! Vous avez le sens de l'à-propos. Et vous, celui de l'opportunité, monsieur Webster. Vous vous êtes débrouillé pour qu'on vous débarrasse de l'homme qui vous menaçait. On s'accorde la mi-temps, commissaire. Avant la deuxième manche, car vous êtes conscient comme moi que la partie est loin d'être finie. En fait, c'est maintenant qu'elle commence. Un peu de culture ne nuit à personne. Vous savez qu'on trouve ici des tas de choses passionnantes. Oh, mais j'en suis sûr. Tenez, par exemple, j'ai sous les yeux l'arbre généalogique des Hoffenstein. C'est curieux de voir comment les diverses branches de cet empire financier se sont développées. Regardez le cas de Carol Eugénie Hoffenstein. Je sais, son père a fondé la plus puissante banque privée de Leipzig après la Deuxième Guerre. Drôle de coïncidence. Leipzig est à peine à 62 km de Bernberg où Sylvia Werner est née. Oh, une coïncidence si on veut. Moi, par exemple, je suis né à Darien, dans le Connecticut. C'est à moins de 70 km de New York. S'il fallait que je me barricade chaque fois qu'un gars se fait ratatiner dans la 8e avenue, ce serait délirant. Bien sûr. Mais il y a les faits. À la fin de la guerre, le père de Carol est mort. Sa mère se trouvait enceinte et a dû quitter Leipzig sous les bombes qui pulvérisaient la ville. Oui, je sais aussi qu'elle a mis sa fille au monde dans une voiture de l'état-major allemand et qu'elle n'y a pas survécu. Ensuite, rien, un trou de plusieurs mois jusqu'à ce qu'on découvre la petite dans un orphelinat à Paris. Là, tout change. Études sérieuses dans les meilleures institutions afin de la préparer à tenir les ficelles de la finance. Elle est la seule héritière de la fortune des Hoffenstein. C'est incontestable et nous sommes parfaitement en droit d'imaginer que Carol continuera les nobles travaux entrepris par son grand-père. Fondation multiple pour la recherche médicale, création de fonds pour diverses œuvres humanitaires, mais... Et j'appuie sur le mais, vous n'avez là aucun indice assez solide pour lier l'affaire Werner à la jeune Carol Hoffenstein. En tout cas, elle était à l'enterrement. Il y avait trois personnes au cimetière. Carol, moi et l'homme qui m'a suivi chez moi. À propos, il y a du nouveau? Apparemment, c'est le mystère le plus complet. On ne sait même pas comment il s'appelle. Incroyable. Vous souvenez-vous de moi, Jack Webster? Non, laissez, Carl, je connais cet homme. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire, mademoiselle Hoffenstein. Je vous ai vu à la télévision. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir qui a payé pour le meurtre de Sylvia Werner. Sylvia est morte parce qu'elle est venue dans votre bar, parce qu'elle a eu la malchance de se trouver devant la balle qui vous était destinée. Oh, je constate que vous écoutez les informations. Je constate, moi, que vous faites l'impossible pour étouffer cette affaire. Hier encore, vous ou la police avez tiré sur l'homme qui a tué Sylvia à cause de vous. Pourquoi êtes-vous venu me trouver? Parce que vous étiez une amie de Sylvia, tout comme je l'étais. Et que je pense que ce meurtre a un rapport avec les Hoffenstein. Voyons, c'est impossible. Le dernier soir où Sylvia est venue chez moi au bar, elle a dit une phrase à propos d'un ami et d'un dernier voyage. Il pourrait bien s'agir de votre grand-père. Pourquoi est-ce si important pour vous? Oh, je n'en sais rien. Chaque jour, elle venait au bar et me vendait des fleurs. Et je voyais bien qu'elle se demandait pour qui je les achetais. Ça m'amusait. Je me rends compte que ça peut paraître idiot, mais c'est comme ça. C'est pas idiot du tout. C'est ça, l'amitié. Oui, je l'aimais bien, mais vous savez, à vrai dire, nos conversations étaient banales. Juste un mot de temps en temps. Mais j'aimais sa présence. Et j'ai à cœur de tirer tout cela au clair. Quand vous aurez tiré tout ça au clair, comme vous dites, qu'est-ce que vous ferez? Vous avez le temps de prendre un verre avec moi? Je suis
suis jamais allée chez Jack. Venez. Voilà, vous savez tout, presque. Sylvia était la femme de chambre de ma mère. Elle était avec elle la nuit où je suis venue au monde, naissance à laquelle ma mère n'a pas survécu. Ensuite, Sylvia s'est débrouillée pour me faire traverser discrètement l'Europe. Pourquoi a-t-elle pris un nom d'emprunt quand elle vous a mis dans cet orphelinat à Paris? Si vous avez pris des renseignements sur ma famille, vous devez savoir qu'après la guerre, les Offenstein furent considérés par les Russes comme des criminels. Et elle essayait de vous protéger. À la suite de quoi, Sylvia a disparu. Mais tous les ans, à Noël, les sœurs venaient me remettre un cadeau de sa part. J'ai encore une petite boîte à musique qu'elle m'avait achetée. Ensuite, je sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Et puis j'ai eu 20 ans, je suis partie rejoindre ma famille. Et je l'ai revue par hasard. À Vienne? Oui, dans une galerie de tableaux. J'ai regardé cette femme et j'ai eu l'impression de l'avoir déjà rencontrée quelque part. Je l'ai suivie. Lorsqu'elle m'a dit qui elle était, j'ai voulu faire quelque chose pour elle. Elle a refusé en disant que mon bonheur lui suffisait. Bonjour. Paul, je vous présente Jack Webster. Très heureux. Très heureux. Vous avez l'air bien gay, Carole. C'est qu'en effet, je le suis. Si je puis vous être de quelque utilité, vous pourriez peut-être me renseigner. Je m'intéresse à toute cette période mal connue de la vie de Carole qui va du moment où elle est née au moment où... On l'a découverte dans cet orphelinat parisien. Oui. Nous aimerions également en savoir plus. Nous avons à maintes reprises tenté de le faire, mais nos investigations sont restées sans résultat. Et il faut se rappeler que ces événements se passaient en des temps troublés, en des jours difficiles pour notre histoire et celle de la famille Offenstein. Nous avons tous notre part de responsabilité. La mienne est de veiller sur Carole. Toutefois, si vous le désirez, nous pourrons vous transmettre les rapports de nos gens et poursuivre les recherches. J'accepte votre aide. Parfait. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Jack. Au revoir. Quelle nouvelle? J'ai contacté quelques vieux amis à moi qui ont travaillé dans les services secrets pendant la guerre. Quelques-uns sont au CIA maintenant. Et donc, Aldwell, vous avez des amis coriaces? J'ai su qu'un caporal de l'armée allemande avait conduit une jeune femme enceinte et sa domestique hors de Leipzig quelques heures avant l'invasion de la ville. Sylvia est la mère de Carole? Peut-être bien. Le caporal s'appelait Rupert Volz. J'ai pu obtenir son adresse. Tenez. Alors? C'est tout? Mais réalisez-vous que les renseignements que je vous donne remontent à presque 27 ans et que ça tient du tour de force? Je vous félicite. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Pourquoi? Il faut compulser les registres d'état civil et voir les naissances et les décès qui ont eu lieu en 45 à Bernberg. Alors, et comment voulez-vous que j'ai accès au registre d'état civil d'une ville qui se trouve dans la zone est-allemande? Vous avez des amis, non? Où allez-vous? C'est le caporal Volz. Mon nom est Jack Webster. Ah, je sais. Entrez, entrez. Oh, c'est gentil chez vous. Oui, on dit que le climat est très vivifiant. Les retraites que verse l'armée allemande à ses caporaux se sont bien améliorées. Oui, mes services étaient très appréciés. Me trouver curieux, que faites-vous chez moi? Mai 1945, Bernberg, Sylvia Klaus. Vous espérez finir vos jours dans une villa comme celle-ci? Ou plus anonymement sous 3 mètres cubes de terre?
Il faut savoir prendre des risques quand on se mêle des affaires Offenstein. Je vous ai observé sans relâche, monsieur Webster. Mais sans vouloir vous flatter, vous êtes encore plus perspicace que je ne le croyais. Disons qu'il me semble que ce qui porte préjudice à la famille Offenstein, avantage par contre-coup ses rivaux financiers. Très astucieux. Et si je comprends bien, ce sont ces fameux rivaux qui sont vos employeurs. Je vous mets à l'aise tout de suite en vous disant que vous pouvez travailler pour les Offenstein, être en train de les doubler. Ce que vous faites depuis 30 ans. Ou comploter avec leurs ennemis. Je m'en moque éperdument. Si vous êtes raisonnable, je peux vous proposer un marché. Nous allons nous entendre. Qu'attendez-vous de moi? Donnez-moi des détails sur ce voyage que vous avez fait en 1945, par exemple. Vous souvenez-vous, vous êtes arrêté quelque part après que la femme ait eu les premières douleurs? Oui. Une fois, à côté de Halle. Je crois que la gouvernante devait avoir une trentaine d'années. 33. Vous avez fait une enquête minutieuse. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir combien vos employeurs sont prêts à payer. Si les renseignements sont corrects, 500 000 dollars. Très amusant, si j'ose dire. En 45, je pensais laisser ma peau dans cette aventure. Le destin en a voulu autrement, puisque ça a servi à faire de moi un homme riche. Dites donc, 500 000 dollars, entre nous, c'est pas vilain. Posez-moi vos questions. Vous avez commencé à me parler de Halle. Oui. Nous nous sommes tout de suite rendus compte que l'enfant était mort-né. Nous nous sommes occupés de la mère, mais... Encore une fois, quand et comment avez-vous rencontré cet homme ? Je vous ai dit que je m'étais égaré, que je me suis arrêté pour lui demander mon chemin. Monsieur Webster, il y a deux numéros de téléphone sur son bloc. Le vôtre et celui du tueur. 11 Goldstrasse. Vous savez bien que je suis dans l'annuaire. Ce serait trop simple. Je vous ai fait surveiller. Je sais. Mais le type qui vous suivait s'est tout de suite aperçu qu'il n'était pas le seul à le faire. Et le deuxième larron, comme par hasard, était Monsieur Rupert Volz. Continuez-vous à nier avoir eu des contacts avec lui? Je vous répète, c'était la première fois que je le voyais. Vienne n'est pas très attrayant cette saison. Non. Mais il serait maladroit de nous fausser compagnie. Je sens que je viendrai bavarder avec vous très bientôt. Je trépigne d'impatience. Alors? Alors, rien, rien du tout. Quels que soient les secrets de Volz, il les a bel et bien emportés dans la tombe. Pas par loyauté, d'ailleurs. J'ai vu Hoffman pour Volz. S'il est comme vous, il ne sait pas qui l'a tué. Encore l'impasse. Peut-être pas. Les photocopies de Bernberg, extraites du registre d'état civil. Ça n'a pas été tout seul, mais je crois que ce n'est pas du temps perdu. Bien joué. Vous allez où? Au manoir de Offenstein. Il y a là un monsieur Webster. Très bien, monsieur. Ah, cher monsieur Webster. Oh, bonjour. Carole va vous recevoir. Merci. Avez-vous pu remplir les cases de votre puzzle? Je le crois, oui.
En partie grâce à la photocopie d'un document manuscrit venant de Bernberg. Je vois. Vous voulez me suivre? Alors, monsieur Webster, voilà, il me semble mêlé à d'étranges aventures. Ce ne sont pourtant pas les occasions d'abandonner qui vous ont manqué. Vous avez eu des démêlés avec la police, et je ne parle pas de vos affaires. Ah, le grand mot est lâché, hein. Les affaires. Oui, monsieur Webster. Demain, Carole devra assumer la continuité d'une maison qui existe depuis plus de 300 ans et à laquelle j'ai sacrifié toute ma vie. Ça, il faut reconnaître que vous êtes fort pour les sacrifices. On a l'exemple de Sylvia. Est-ce que vous avez liquidé Volz tout seul ou est-ce qu'on vous a un peu aidé? Seul. Devant la gravité du problème, j'ai préféré régler l'affaire Volz moi-même. C'était un indésirable. Comme vous. Jack, pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Faites-vous avec ce revolver? Je vous en prie, Carole. J'avais espéré. Enfin, j'avais cru que ce ne serait pas nécessaire. Mais j'ai le droit de savoir. Plus tard. C'est beaucoup trop long à vous expliquer maintenant. Quant à vous, monsieur Webster, il faut que vous sachiez que tous les domestiques de cette maison sont directement placés sous mon autorité. Ils sont donc par définition fidèles et dévoués à la famille Offenstein. Famille dont Carole n'a jamais fait partie. Paul, expliquez-moi. Pourquoi parler de ça? Ça ne changera rien à la situation. Parce qu'elle a le droit d'être au courant. Elle n'est pas une Offenstein. Elle ne l'a jamais été. Paul. C'est vrai, Carole. Mais moi-même, il n'y a pas longtemps que je suis au courant. Max a toujours pensé que vous étiez et seriez sa seule héritière. Il a dépensé des millions pour que le nom subsiste. Avec sa descendance. Tous ces projets auraient pu être compromis en 45, lorsqu'une femme est morte en donnant le jour... Ma mère. Non. L'enfant n'a pas survécu. Il y a des impondérables. La vie est capricieuse. Quelque temps après la guerre, Sylvia Werner se manifesta. Elle avait réalisé la nécessité pour les Offenstein d'assurer leur descendance. Ayant trouvé un bébé abandonné, elle contacta Max. Ils échafaudèrent un plan. Personne n'en a jamais rien su et personne ne doit jamais savoir. Paul, sincèrement, sachant ce que je sais, croyez-vous que je puisse vivre comme avant? Oui, Carole, il le faut. On vous a formée et instruite pour vous permettre de remplir un certain contrat. Pour ce qui est de M. Webster, c'est un incident qui s'inscrit dans une histoire qu'il dépasse. Je porterai avec vous le poids du nom des Offenstein. Vous me trouverez toujours à vos côtés. Vous verrez. Je l'achèterai comme j'ai acheté Volz. Je peux lui offrir... Pourquoi ne pas lui dire ce que vous avez offert à Sylvia? Dites-lui aussi qui était réellement cette femme. Vous allez vous taire. Paul. Laissez-le parler, je veux savoir. Enfant né de Sylvia Werner, du sexe féminin. Eugénie. Père. Tué à la guerre. Paul. Paul. C'était ma mère. Pourquoi l'avez-vous tuée? Elle était condamnée. Je ne pouvais risquer que nos ennemis s'emparent d'elle ou de Volz. Si longtemps que Max était en vie, je pouvais les épargner. Mais ensuite, j'ai dû vous protéger. Votre mère était perdue. Les médecins l'avaient condamnée. Et le nom des Offenstein est immortel.
Pour Virtel, la police acceptera la thèse du suicide, puisque c'était son revolver. Et que nous sommes les deux seuls témoins. Je ne sais plus, Jack. Ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitiez, mais je ne vois rien d'autre. Jack, vous savez ce que je voudrais. Je voudrais que le monde sache la vérité. Je voudrais crier que ma mère était une marchande de fleurs qui n'a jamais rien voulu de voir à personne. Le dire. Et pouvoir savourer l'ironie mal contenue de ceux à qui je le dirai. D'accord. Mais vous avez vécu dans un certain milieu. Vous avez été préparé à tenir un certain rôle. Votre mère vendait des fleurs. Je tiens un bar. Et vous, vous êtes l'héritière des Hoffenstein. Jack, j'irai dans votre bar. C'est gentil. Nous accueillons aussi les milliardaires. Ça va aller? Messieurs, veuillez vous asseoir. J'ai décidé que le conseil d'administration de ce jour serait bref, à cause du respect que je porte à mon grand-père et des circonstances un peu particulières de la mort de Paul Virtel. Quoi qu'il en soit, je tiens à réaffirmer l'importance de notre devoir envers tous ceux qui dépendent de notre maison et à dire que la Fondation Hoffenstein continuera son œuvre comme par le passé. Je pense et je crois qu'en conjuguant nos efforts, nous devrions réaliser ensemble les grandes espérances de mon aïeul. Elle s'en sort? Comme si elle avait ça dans le sang. Alors, pas de regret? Quel beau temps. Sylvia disait souvent que le soleil était l'ami des fleurs. Non. Jamais de regret.